Ok, et la première chose que j'ai à dire, voilà la connerie, aujourd'hui de venir sur une manifestation parler d'une chose qui ne nous concerne pas, parler d'une chose qui divise à chaque fois un peu plus, tout ça, arrêtez de vous tromper d'ennemis. Putain. Moi ça commence à me casser les couilles, parce qu'on se trompe d'ennemis. L'ennemi, c'est le pouvoir. L'ennemi, c'est le pouvoir. À un moment donné, contre qui on se bat? On se bat entre nous? On se bouffe la gueule entre nous? Mais parce qu'on se bat! Ça fait 40 ans qu'on attend ça! Et on va se tuer tout seul? On va se tuer tout seul? À un moment donné, faut arrêter juste un truc, d'accord? De jouer au mec qui a la plus grosse et qui va casser la table avec. D'accord? On est ensemble! Ensemble, on a une zone! Ensemble! S'il vous plaît, aujourd'hui, une manif, et pour la première fois sur Paris, on a une manif. Et c'est celle-là. Merci à vous, bravo à vous. Aujourd'hui, cette manif, elle a été faite en hommage à tous nos morts, à tous nos blessés, à tous nos mutilés, à tous nos prisonniers. C'est pour ça qu'on a marché aujourd'hui. Pour une justice sociale et une justice fiscale. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Mais avant ça, pas pour se bouffer le gilet entre nous. Merde, ça suffit. D'accord ? Maintenant, pour revenir dans le fond des choses, c'est pas comme ça qu'on va gagner. D'accord ? Parce qu'en fin de compte, on n'est que quoi ? On est l'essence même d'un travail effectué depuis 40 ans par le gouvernement qui est fait pour mieux nous diviser, et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors à un moment donné, c'est bien gentil de marcher comme des couillons dans la rue. Je suis le premier à vouloir manifester. Je suis le premier qui dit que c'est important de marcher dans la rue. Mais je suis le premier à dire aussi qu'à un moment donné, marchons ensemble. Vous êtes tous une bande de convaincus. Vous êtes tous convaincus de pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'opinion publique, et c'est pas de cette façon qu'on va aller la chercher. C'est pas comme ça qu'on va se faire rejoindre. Alors, marchons, chantons, revendiquons, faisons en sorte d'être ce putain de contre-pouvoir à Macron. Parce que nous sommes le contre-pouvoir de Macron aujourd'hui. Et il n'y a que en construisant qu'on arrivera à le mettre en place. Maintenant, pour l'ensemble des blessés, pour l'ensemble des mutilés, je voudrais juste vous dire une dernière chose qui me tient à cœur, d'accord? Beaucoup de gens viennent me dire merci, d'accord? Et moi je prends ce micro aujourd'hui pour vous dire merci à vous tous. Parce que Jérôme, il est ce qu'il aime, il est rien sans vous. Et son combat n'est rien avec votre combat à vous. Donc c'est ensemble, c'est notre combat. C'est pas le mien, c'est pas le vôtre, c'est pas le tien, c'est le nôtre. Et c'est ensemble qu'on va avancer, et c'est ensemble qu'on va avancer. J'en veux, mais en douceur, pour une spéciale dédicace à la police, mais en douceur. CRS, quel est votre métier? Voilà, je vous aime la famille, et on lâche rien cet été. Jérôme, reste avec nous s'il te plaît, n'éloigne pas. On va faire une dernière chose, mercredi après-midi, vous savez que va être discuté un projet de loi à l'Assemblée nationale, d'accord, sur le fait qu'on ne pourra plus injurier sur Internet. Dans l'absolu, c'est quelque chose d'intéressant, mais sachez qu'ils vont nous censurer. Sachez qu'ils vont censurer aussi la presse. Donc je vous invite à partir de 14h, mercredi après-midi, à venir à un rassemblement statique auprès de l'Assemblée nationale pour être vu par ceux qui considèrent qu'ils nous gouvernent. Donc soyez présents, mercredi, 14h à l'Assemblée. D'accord, tu coupes pas, en anglais, il y a Jérôme qui est là, il y a une attention collective, excuse-moi.
On écoute celui qui parle, même s'il n'est pas venu. On est pour 5 secondes. On va commencer une vraie assemblée. Vous ne ruez pas sur Jérôme. Tant qu'il est là, on ne sera pas attaqué. Et tant que les gens du média sont là aussi. Il y a 2-3 personnes ici qui nous protègent. Tu vas avoir la parole, Manu. Mais François-Xavier, il est, qui est présent ici, il a l'expérience. Écoutez une seconde. Il a l'expérience des assemblées. Je ne sais pas s'il va pouvoir être le modérateur de celle-ci. Il faut qu'on désigne une petite équipe, 2-3 personnes pour prendre les tours de parole, sinon il n'y a pas d'assemblée.